Bonjour. Nous étions ici maintenant pour parler un peu des déterminants français qui sont pratiquement l'article défini et indéfini. Bon, on commence. Les déterminants ont la fonction ou bien sont définis comme les mots qui doivent nécessairement précéder un nom ou un substantif, commun pour constituer un groupe nominal. Les déterminants, donc, portent les marques de genre, masculin ou féminin, et nombre, singulier ou pluriel. On commence par l'article défini. L'article défini, donc, ça va être le, la, et l'apostrophe pour le singulier, et les pour le pluriel. Nous avons donc la marque de nombre, singulier et pluriel, et genre, masculin, féminin. Alors, si le substantif commence par voyelle, alors vous allez faire l'élision L apostrophe. Par exemple, le fromage, oui, c'est délicieux, c'est une icône de la culture francophone. La voiture, une voiture la plus reconnue, c'est le Peugeot 206. Et l'art. Nous savons que comme l'art commence avec la voyelle A, donc nous faisons l'élision. Pour l'article indéfini, nous avons donc trois articles principaux qui c'est pour le singulier un et une. Vous voyez, c'est le un, c'est pour le masculin, donc, et une pour le féminin, mais les deux représentent la quantité 1. Et pour le pluriel, il y a donc D, DES, qui va faire la marque indéfinie du pluriel. Par exemple, un garçon, une fille et des enfants. Voilà, vous avez donc le genre 1, masculin, une, féminine et D, pluriel. Merci beaucoup.